Jodian, c'est remobilisation l'armée d'Haïti. Donc, jodian, c'est jour parade. Jodian, c'est jour défilé. Nous prenons donc à capitaine Louis Saint Dieudonné pour le capable conduire parade cap suivi de défilé de bataillon dans l'occasion commémoration Vertière et remobilisation des forces armées d'Haïti. Voilà, c'était porte-parole de la présidence, Lucien Jura. Maintenant, qui invité, capitaine Lucien Dieudonné, lui-même qui a dirigé le bataillon l'armée, force armée d'Haïti. Jodi a là, dans la ville Cap-Haïtien, amis auditeurs, téléspectateurs radio, télé et Pacifique, c'est pral tout à l'heure, c'est parade qui pral fait avec force armée, ça, soldats. Et puis l'autre unité dans la police nationale, l'agence a été prévoit aujourd'hui dans la ville Cap-Haïtien qui essaie remobilisation, même si le président va vouloir parler de remobilisation, il parlait de l'autre armée, on l'a mis tout neuf pour démontrer que c'est une armée qui va le couper fâché avec mauvaise pratique que la population et qu'on a dénoncé dans la force l'armée. Ça que le président dit, son force l'armée qui pape dans la politique. En tout cas, c'est ça, le président promet l'armée qui a politique et qui va le gagner la donne. Trois unités et principales. Une unité de génie, une unité médicale, une unité d'aviation. Amis auditeurs et téléspectateurs, Radio Pacifique, nous invitons à continuer à suivre l'événement dans le Cap-Haïtien, qui c'est de célébration, commémoration, pardon, 214 l'année bataille Vertière, dernière bataille pour l'indépendance du pays d'Haïti. Et puis tout, c'est remobilisation officielle l'armée d'Haïti qui est à partir de aujourd'hui Haïti gagne l'armée tant que tout l'autre pays et c'est ça amis auditeurs et téléspectateurs radio Pacifique. Actuellement, c'est défilé qu'a fait sur dans rue 24 boulevard dans Cap-Haïtien défilé militaire, je s'attends à prévoir qu'a fait avec la remobilisation officielle des forces armées d'Haïti et amis auditeurs, téléspectateurs, je dis un grand événement ça qui fait dans la ville Cap-Haïtien côté et gagné remobilisation officiel l'armée ça qui était abdomin ou mais sinon qui pas existé pendant 23 années mais je dis qui est bel et bien présente dans pays notamment suivre discours président républicain qui dit remobilisation l'armée c'est concrétisation sur les promesses l'été fait lorsque lieutenant campagne auditeur téléspectateur radio télépacifique nous pouvons suivre nous en direct là depuis la ville du Cap-Haïtien lieu ville de la dernière bataille pour l'indépendance d'Haïti avec l'armée indigène ça qui le peuple haïtien très reconnaissant envers lui et c'est l'armée ça qui pas existé sur lui et c'est l'armée ça aujourd'hui que le président Jovenel Moïse l'y remobilise c'est sous applaudissement population c'est parade militaire qui a fait sous boulevard Cap-Haïtien au niveau de la rue 24 boulevard où nous live là équipe radio télé passer la live pour capable de suivre événement ça amis auditeurs n'a pas tout suivre ça qu'a passé suivre tendez et puis regardez live ça qu'a passé à travers ville Cap-Haïtien. Un, deux, demi pas. Ouch, pas. Un, deux. Reprenez. Ouch. Un, deux, trois, quatre.
4 vents. Ouch, pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pas. 1, 2, 3, 4, go, 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 go. 1, 2, 3, 4, on passe. Ouch. Demi pas. Ouch. En avant. Ouch. On passe. Ouch. Pas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Au 80. Ouch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On passe. Ouch. 1, 2, 3, 4. Par le flanc gauche. Ouch. Bloton. Halt. Demi-tour. Reposez. 1, 2, 3, 4. Commandant de compagnie, rectifie la dimension des couleurs. Bataillon. Oh! Bataillon à droite. Os. Bataillon épaule droite. Bataillon épaule droite. Oh! Pour le défilé, pour mieux accompagner. En avant. Yeah.
son seul pays. Faut que nous suspendons gourmet. Voilà, c'est la cérémonie qui a continué ensemble avec parade militaire mêlée ensemble avec plusieurs unités de la police nationale. Là. Amis auditeurs et téléspectateurs qui voilà, c'est nous dit c'est cérémonie qui a continué ensemble avec parade militaire avec l'autre unité dans la police nationale là, USGPN, CIMO, IDMO et puis militaire qui a accompagné deux fanfares sous haut applaudissement en population qui a pas défilé dans la ville Cap-Haïtien, principalement au niveau de la rue 24 boulevard dans Cap-Haïtien. Nous on dire pour capable faut suivre événement ça n'a pas gardé kounya là nouvelle force armée si nous voulons prêter parole président gain kounya là force armée ça avec fusil sous épaule qui a défilé sous haut applaudissement à population force l'armée qui remobilise en tout cas amis auditeurs téléspectateurs radio télé pacifique nous en direct pour capable permettre de suivre et événement ça événement extraordinaire sous administration Michel sous administration Moïse Lafontaine qui te promet pour être capable de remobiliser force l'armée effectivement jeudi qui c'est 18 novembre 2017 c'est la remobilisation officielle force armée d'Haïti dans occasion dans cadre célébration commémoration 214 l'année l'un des batailles de Vertière, c'est ça. C'est différentes unités dans la police nationale là, qui continuent à défiler, les amis auditeurs, sous le boulevard au Cap-Haïtien, dans la rue 24 là. Et vraiment, en pile, monde dans la population fait déplacement pour capable venir assister à l'événement extraordinaire, ça, événement de grande envergure, aujourd'hui, dans la ville Cap-Haïtien, côté l'État tout entier. Et mobiliser et pour que yo capable rendre événement ça yon événement extra ordinaire nous même tout radio télé pacifique nous la tout pour nous capable faut vivre événement ça sans manquer ti crasse moun qui pa gen chance pour déplacer vini dans ville Cap-Haïtien qui soit dans international là ou bien qui nan l'autre ville nan pays yo capable gen chance suivre événement ça en direct à travers ville Cap-Haïtien et jodia qui c'est 18 novembre 2017 là remobilisation officielle force l'armée et d'Haïti et dans cadre commémoration 214 l'année bataille de Vertière c'était et défilé avec la fête avec différentes unités la police nationale là et puis tout avec force l'armée remobilisée dans un pays d'Haïti nous pratiquement j'aimerais dire pral river et nan fin et cérémonie qui depuis matin nous même nous t'es là pour t'es capable pour vivre l'événement ça sorti et sous site Vertière là que des présidents républicains là accompagné membres dans gouvernement t'es allé sous site Vertière là pour t'aller déposer yon jet fleur dans pied héros indépendance et t'es là ensemble avec tout au niveau de collège Notre-Dame pour être capable de suivre et t'es des hommes qui t'es fait dans circonstances là et actuellement là nous toujours sous place à là non rue 24 boulevard Cap-Haïtien pour que nous capables faut vivre événement extraordinaire ça très certainement avec en radio avec et puis en télévision extraordinaire qui permet tout vivre
un événement extraordinaire sans manquer et petit crasse amis auditeurs et téléspectateurs radio télé et Pacifique. Nous on a suivi différents officiels qui sous stage là qui pourquoi descend est-ce que nous arrivons dans fin cérémonie ou bien dans fin ça te prévoit pour journée amis auditeurs n'a prend un coup de pause le temps pour nous capable garder est-ce que toute bagaille fini pour journée en attendant mettre était sous télévision pour capable suivre toute reste image dans cadre événement ça. Voilà, nous tournons, et amis, auditeurs, téléspectateurs, radio, télé, Pacifique, nous toujours sur place. Hein? Dans le cadre de transmission directe, événement ça, dans la ville Cap-Haïtien, Oui, amis, auditeurs, nous arrivons côté cérémonie, licencié prend fin pour. Jodi a, mais juste avant nous quitto, faut que nous fassions rappel pour moun qui pas de chance brancher télévision. Depuis matin, nous t'es là, nous t'es rendez-nous au niveau de Vertière, côté de Front Floral, président République là qui t'est accompagné de première dame non chef gouvernement Jacques Lafontaine, plusieurs officiels dans gouvernement, des ministres, chef la police là, ou état-major l'armée, yoté allé sous cette Vertière là dans cadre événement ça. Et tout de suite t'es sorti Vertière, nous t'es rendez-nous au niveau de la caille frère là pour t'es capable permettre ou suivre et t'es qui te gagne hein? Et actuellement nous t'es depuis vers midi nous t'es sous boulevard au Cap-Haïtien pour te permettre ou suivre grand événement ça dans cadre c'est commémoration 214 l'année bataille des Vertières qui coïncidait avec célébration avec remobilisation pardon force l'armée à amis auditeurs qui t'a écouté nous tout partout en Haïti ou à l'étranger radio télé Pacifique de Ninan Baza qui c'est Port-au-Prince dans Pétionville dans Ouigaba t'es mobilisé équipe là dans Cap-Haïtien tout télévision radio à tout t'es mobilisé toute équipe là t'es là pour t'es capable fort vivre événement en ça amis auditeurs nous t'es là pour t'es capable fort suivre événement et Chrislaine Lubin qui à côté nous de toute façon qui était bon côté nous Chrislaine où t'as suivre événement ensemble avec toi depuis matin dis-nous Jodia comment t'as suivi quel sentiment t'as suivi événement ça. Bonsoir tous les spectateurs et télépacifiques. Donc c'est avec un peu de plaisir que nous sommes rentrés la caillou aujourd'hui pour être capable de porter cérémonie ça pour nous dans le cadre de la célébration 214e anniversaire bataille de Vertière. Et je nous tape dit depuis le journée a commencé, cette dernière bataille qui a conduit nous à l'indépendance. Donc c'est avec un sentiment de fierté que moi tape suivre. Moi t'ai absuivi cérémonie ça. Donc double sentiment de fierté. Un, parce que moi c'est une haïtienne et deux parce que moi c'est une capoise. Donc je pense que c'était double sentiment de fierté ça qui tapait traversé moi. Et c'était avec une curiosité tout parce que moi t'ai vivre peut-être ça que me pas gétant vivre dans enfance moi. Donc mobilisation force armée d'Haïti. Donc qui vraiment se met en pile idées divergentes mais me pense que au fur et à mesure que le temps peut-être à bail et groupe de monde qui pour ou contre raison par rapport à remobilisation et les forces armées d'Haïti. Donc c'était une très belle journée, une journée très 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 longue et qui arrivait dans fin. Donc je pense que c'était avec un pile plaisir nous t'ai porté aux transmissions ça
caille tout téléspectateur et nous t'ai chance tout suivant direct discours président république là donc qui vraiment mettait accent sous remobilisation ça sous différentes forces qu'a gagné nan la mesa que li remette sous pied différents objectifs que la mesa t'a gagné et yon nan point que l'te mette accent sous li c'est que li vle gagne yon la mais qui apolitique bien que me pensais que c'est un sujet à débat quand même mais président lui-même li te mette pile accent sous ça et joli te a fait pendant plusieurs mois donc li te mette accent sous corruption que supposé combattre et surtout union qui supposé gagne entre haïtiens pour que le pays aille même y aller de l'avant. Bon, en fait, parce que il y a beaucoup de choses à retenir au cours de cette journée, beaucoup de choses positives et aussi il y a des choses négatives et qui supposé corriger. Mais je pense que nous supposé qu'il y ait ça positif parce que c'est eux-mêmes qui supposé rester dans tête. Encore une fois, il y avait des images, c'était un plaisir et moi-même, mes jambes te dit là, c'était avec un double sentiment de fierté et ensuite avec une curiosité peut-être qui est sorti dans flair journalistique mais que moi ta vive journée ça jeudi. En fait, merci à toute équipe là qui était avec nous depuis Port-au-Prince, merci à Maxime, merci à Stanley, merci à Eugène et merci à Jordanie qui était dans radio, merci à Ronnie, merci à ingénieur Amboise, merci à et Gracia, merci à Joseph-Philippe François, merci aussi à Roger B, merci aussi à Jovenel Moïse, réalisateur, donc qui t'a permis de nous suivre belle image. Jovenel Destiné. Voilà, donc c'était juste pour vous plaisanter. Donc voilà, c'est toute équipe ça qui t'a porté belle image ça ou la caillou avec un pile analyse tout de Hervé Delima. Hervé Delima, c'était un plaisir et je pensais que n'a pas croiser encore. Merci à tout le monde, n'a pas croiser était branché Télévision Pacifique pour suite programmation télévision. Bye bye tout le monde. Voilà, amis auditeurs. Merci en pile tout le monde en Haïti ou à l'étranger qui t'a suivre nous. Nous t'es en direct depuis Ville Cap-Haïtien, radio, télévision monde l'entier là pour te permettre de suivre événement ça. Bye bye tout le monde, à la prochaine.